d'informations sur la distribution des circulaires, de nombreux annonceurs ont décidé de convier leurs envois commerciaux à Poste Canada. Oui, ce qui est un petit peu dommage, Pierre, c'est que suite à cette nouvelle pratique, il y a plusieurs livreurs de circulaires qui ont été mis à pied. Et ce qu'on se demande, c'est est-ce que ces personnes-là vont pouvoir se retrouver un emploi ailleurs? Difficile question. Mais à NATM, nous avons découvert un livreur de circulaires qui a su se recycler. Et c'est notre bon ami à tous, Bob Binette. Bonsoir, Bob. Bonsoir, W. Non, c'est pas W, c'est Z. Nouveau nomateur. C'est pas encore. Ça se prend des cours du soir, puis on n'est pas encore rendu à la Z. Dedans. Bon, ben. Ça s'en vient. C'est pas là. Écoute, mon cher Bob Binette, tout ce qu'on veut savoir, nous, là, c'est que. Qu'est-ce que tu fais depuis que tu livres plus des circulaires? Un code de cœur. Pardon? Quoi? Un code de cœur. Tu colles? Tu colles des stickers. Ah! Coller des stickers, tu colles ça. Des stickers, mais c'est ça. Tu colles des stickers de quoi? À vendre. Tu colles des stickers à vendre. Tu sais. Les stickers que tu colles sont à vendre. Non, des colles. Ah ben, pour en savoir plus long, on va regarder ton... Non? Tu colles des stickers à vendre. Oui. Qu'est-ce qui est écrit sur le sticker à vendre? À vendre. C'est écrit à vendre. Colle le sticker à vendre. Bon, ben, pour en savoir plus long, on va regarder ton reportage, mon cher Bob. Ah oui, c'est... T'as-tu fait? Mais bon, salut. Bonjour à Capitaine Choc. Beaux élèves. Gisèle Hamelin. Hey, pas de cochonnerie sur mon épitaphe. C'est. Ouh, du cochon. Pas fin. Hey! Salut! Ah, tout est correct. Merci, mon petit pitou. Bon, où je t'ai rendu, là? Ça parle au garage. Oh! Ah, tiens ça, toi! Oh! 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 Chantal Franck nous expliquera peut-être pourquoi elle a un F comme seconde initiale.